Papa Blaise, et qu'il puisse porter la parole de Dieu, tous allez comment, tous allez comment, et la Yeshua, la maman, pourtant, vous allez coller les bonnes, la compagnie. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est mes amis? Amen. Est-ce que c'est mes amis? Amen. Sophie, c'est mes amis. Ton compère, c'est la Jésus-Christ, ma pauvre ami. Parce que j'ai de la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Et comme nous sommes dans la maison de l'Éternel, cela veut dire que je suis aussi dans la joie. Amen. Nous pouvons analyser ce poussani. Tout le monde est la parole de Dieu. La parole de Dieu de l'autre tanga na mukanda ya Genèse 37. À partir du troisième verset. Vous y êtes? Genèse 37, à partir du troisième verset. Je crois que l'histoire va être mise de l'autre là, parce que nous sommes tous les liens. Histoire est à mon tour, un grand prophète, notre Yébi et Tolobaka. De temps à autre, dans le Congolais. Het is een verhaal van een grote profeet. Je dossier na je, ton histoire na je, ton kokotangango na 37, 38, 39, même si na 42. Histoire en économie so. Zijn verhaal, zijn geschiedenis kan je lezen in hoofdstuk 36 tot zelfs hoofdstuk 40. De lotoko, lobele ni solo ya profeet Joseph. Vandaag zullen we het hebben over profeet Jozef. Je lis au nom de Jozef. Et Israël aimait Joseph de plus que tous les autres fils, car c'était un fils de sa vieillesse, et il lui fit une robe longue. La version Moussous et Zoloba, il lui fit une robe de plusieurs couleurs. Et ses frères virent que les pères aimaient plus que tous les autres, et ils prirent la haine, et en le pouvant lui parler amicalement. Et Joseph eut un songe. Il raconta à ses frères. Ils les haïrent encore plus. Il leur dit, écoutez. Voici, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'est levée et une tenue et s'est tenue debout. Et voici, vos gerbes l'ont entouré et se sont prosternés devant la gerbe. Et ses frères lui dirent, régneras-tu donc sur nous? Régneras-tu sur nous et nous gouverneras-tu? Et il a haï encore plus que les songes et ses paroles. Alléluia. Il y a encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi et raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces choses, ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent l'envie encore de lui.
Mais son père garda les souvenirs de ces choses. Le frère de Joseph étant allé en chemin pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne sont-tu pas paître les troupeaux en chemin? Viens, je vais t'envoyer vers eux. » Il répondit, « Mais voici. » Israël lui dit, « Va, je t'ai pris. » Vois tes frères et sont en bonne santé, et si les troupeaux est en bon état, et tu m'apporteras des nouvelles. Et il envoya ainsi la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que chercherais-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris, où ils sont paître et leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après les frères et les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et, l'ayant fui de près, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez, maintenant tuons-le et jetons-le dans l'une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et délivré de leurs mains, il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point du sang, jetez-le dans une des citernes qui est au désert et mettez-le en main et ne mettons pas la main sur lui. Et avait le destin de les délivrer de leurs mains pour lui faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique et de la tunique de plusieurs couleurs et qu'il avait sur lui, ils prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galan vers les chameaux, était chargée d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère. » Notre cher. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirent et ils firent remonter Joseph hors de la citerne et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors de la tunique de Joseph, l'ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang et le noyèrent et allèrent faire tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire que voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob les reconnut et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit à sac et sur ses reins, il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour lui consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, s'en plaira de descendre vers mon fils au séjour de mort, il plairait son fils. Les Madianites vendirent en Égypte à Potiphar, l'officier de Pharaon, le chef des gardes. Amen. Amen. Ici nous avons lu l'histoire de notre bien-aimé Joseph. Hier, le Pharaon lise par Joseph. Et nous devons d'abord connaître l'origine de Joseph. En moet eerst begrijpen waarom we gingen. Parce que pour parler d'une personne, want voordat je over een persoon gaat praten, nous devons d'abord connaître son origine. Moet je eerst weten waar het verhaal vandaan komt. Et pour connaître l'origine
de Jacob, de Joseph, pardon. Un production made by von Abraham. Nous devons comprendre que Abraham, we can understand that Abraham, Abraham avait deux enfants. Il a eu à sa vieillesse. Abraham had twee kinderen gekregen toen hij heel oud was. Il y avait Ismaël et Isaac. Waren Ismaël en Isaac. Et l'histoire d'Isaac, j'avais autrefois prêché ici sur le sujet des gens d'Algérie. J'avais en parlé, mais aujourd'hui on ne parle pas pour ce sujet. Het verhaal van Isaac had ik al een keer over gepraat, daar gaan we vandaag niet over hebben. Abraham avait deux enfants, Ismaël et Isaac. Abraham had twee kinderen, Ismaël en Isaac. Et aujourd'hui, nous allons voir que Isaac avait aussi d'enfants. En vandaag zullen we zien dat Isaac ook kinderen had. Et si nous parlons des enfants d'Isaac, nous verrons qu'il y a Jacob et il y a Esaü. En als we praten over Isaacs kinderen, dan zien we dat Jacob is en Esaü. En dans l'histoire de Jacob et Esaü, nous connaissons la suite, nous connaissons comment est-ce que Esaü a pu vendre Kimukolo Naye et pas aller gagner Jacob à cause de la nourriture. Et dans le verhaal van Jacob et Esaü, zien we dat Jacob zijn broederschap had verkocht aan zijn broertje. Et après, tu as dit, il y a Jacob, quand Jacob partit pour épouser, il a lâché son oncle. Et dans là, toen Jacob wegging om zijn zwager te se marier. Om zijn op te gaan trouwen. Ouais. Et nous savons la suite que Jacob pour marier, il a eu deux femmes. Voordat Jacob ging trouwen, hadden we gezien dat hij twee vrouwen had. Et ces deux femmes qu'il a eues n'étaient pas pour sa propre volonté. En die twee vrouwen die hij had was niet voor zichzelf. Mais c'était la volonté de la coutume. Maar dat was voor de cultuur dat ze hadden. Parce que lui aimait Rachel, omdat hij veel van Rachel hield. Et pour qu'il puisse épouser Rachel, dans leur coutume et dans les temps, il était impossible que la petite sœur soit mariée avant sa grande sœur. En in hun cultuur ging het zo dat de kleinere zus niet eerder mocht trouwen dan de oudere zus. Et cela a fait que la grande sœur Léa puisse être mariée et puis Rachel. En daarom moest de grote zus Léa eerst trouwen voordat Rachel kon trouwen. Ok, et nous voyons que celui que nous parlons aujourd'hui, Joseph, était l'enfant de Rachel. En we zien dat vandaag dat het kind van Rachel. Parce que nous connaissons l'histoire de Rachel. Want we kennen allemaal het verhaal van Rachel. Quand nous parlons l'histoire de Rachel, ce n'est pas notre maman Rachel qui est ici avec nous. Als we het hebben over het verhaal van Rachel, mais nous parlons de Rachel de la Bible. Maar we hebben het over Rachel die in de Bijbel. Et nous savons comment c'est passé pour qu'elle puisse avoir l'enfant. En we weten wat allemaal gebeurd is voordat zijn kinderen. Raison pour laquelle ici dans la Bible il est écrit que Israël aimait Joseph de plus que tous ses fils, car c'était le fils de sa vieillesse. In de Bijbel staat dat Israël veel meer van zijn jongste zoon hield dan van andere broers. Ici quand nous voyons on écrit Israël, Israël ça représente Jacob. Hier staat Israël, dat is Jacob. Et comme on dit que Jacob aimait Joseph de tous ses fils. Omdat hier staat dat Jacob meer van Jozef hield dan van zijn andere zonen. Alors il a donné tout son amour à Joseph. Heeft hij al zijn liefde gegeven aan Jozef. Amen. Amen. Yango nakolukana naloba beaucoup plus sur Nekonabiso Joseph. Ik ga proberen meer te praten over onze broeder Jozef. La comparaison, ou ce qu'on peut dire, quant à l'histoire à Joseph et notre Seigneur Jésus Christ. En dan ga ik proberen te vergelijken het verhaal van Jozef en het verhaal van Jezus Christus. Parce que ce qui te le dit, tout à l'histoire à notre Seigneur Jésus Christ. Want als we naar het verhaal van Jezus Christus kijken, pour comment on a été Jésus Christ qui est notre Seigneur. We zullen zien dat Jezus Christus die onze God is. Il n'était pas aimé aussi parmi les siens. Hij werd niet veel van hem gehouden door anderen. Ici nous voyons aussi Nekonabiso Joseph ayina makikaka na mapope Nekonaina libota nae. En hier zie je ook dat Jozef werd gehaald door zijn eigen familie. Peut-être de l'eau yonangai tokozala na memka. Misschien jij en ik zitten in dezelfde situatie. Et que peut-être Nekonayo to libota nae. To entourage na yo pa koki ko zala pe na koi na yo. En dat misschien een broeder of een zuster jou niet mag.
Mais Esaïe est l'homme qui a commis tout misanthé parce qu'il y a la solution à Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que rien n'est impossible à notre Dieu. Ce qui est total dans Matthieu, Matthieu 3, à partir du 13e verset au 17e. J'ai lu au nom de Jésus. Alors Jésus vint à Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau et voici le ciel s'ouvrir. Et il vit un esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre du ciel ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Si nous avons lu ce passage, ce qui est autant du passage où il y a Matthieu 3, de 13 à 17, als we dit stukje hebben gelezen van Matthieu 3 tot en met 17, is dat die kon akola kisaete, is om te laten zien, een kolo Jezus jepe, dat Jezus zelf, était bien aimé de notre Dieu. God hield veel van hem. Parce que pour qu'il puisse descendre ici sur cette terre, il était bien aimé de notre Dieu, de son Père, et son Père l'aimait beaucoup. Want voordat hij hier op aarde kwam, hield zijn vader heel veel van hem. En même quand il est descendu sur cette terre, le Père ne l'a point lâché, il avait de la compassion et de l'affection sur lui. En zelfs voordat hij, totdat hij hier op aarde kwam, had zijn vader veel in hem gedoken. Alors, ce qui raconte aquí le sujet, il y a Matthieu 3, de 13 à 17, pour nous expliquer, Jésus, quand il était baptisé, n'engue voix. Esprit de Dieu qui t'a qui et témoigna que celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Ik heb dit hoofdstuk geopend om te laten zien dat God veel van Jezus hield en wanneer Jezus werd geboren dat zijn stem uit de hemel te laag kwam. Et ça dit qu'on a connu la même chose de l'histoire de Joseph parce que Joseph était le bien-aimé de son papa. La parole de Dieu nous dit que son papa l'aimait tant plus que tous ses autres frères. Dat is om te laten zien dat Jozef zijn vader veel van Jozef hield, meer dan van anderen. Et quand nous voyons ce passage dans la Bible, parce que nous savons que dans la Bible, pendant Genèse et une Apocalypse, on nous parle de l'histoire de Jésus. En als je leest in de Bijbel, kan je zien van Genesis tot Apocalypse. Même si tous en comptant l'histoire, il y avait l'apôtre Paul, tous en comptant le prophète Joseph. Mais ça nous reflète toujours et ça lit image pour comprendre l'histoire de Jésus-Christ. En als je deze hoofdstuk van Jozef opvolgt, aan anderen zie je dat het een voorbeeld is van het verhaal van Jezus. Alors, ce qui ne connaît pas Joseph, als de broeder van ons Jezus, Jozef, als zwaar qui n'a mis kakatano et que ma propre ne connaît, ma teka qui est. Als Jozef werd gehaald en hij werd verkocht door zijn eigen broeders. Ezali pona kola kisaete, en tant que bana na nzambe, soki ozana elembo ya nzambe, parfois même tes proches, parfois même ta propre famille peut te haïr, sans pour autant que tu puisses faire quelque chose du mal. Dat is om te laten zien dat zelfs je broeder of je eigen familie kan jou erg dingen aandoen. Ce qui est l'histoire de mon ami Joseph, tout en disant, nul part dans la Bible, nous avons vu que Joseph a été imposé vis-à-vis de la couleur de l'aïe. Als je leest in de hoofdstuk van Joseph, kan je zien dat Joseph koppig was. Nul part de Tobomona est que Joseph a été imposé vis-à-vis de la couleur de l'aïe. Nergens zou je zien dat hij ruzie had met zijn broeders of iets anders. Mais, pourquoi ben je connais pas une aïe? Maar waarom haatte zijn broeders hem? Ce qui va déconner par une
Als zijn broeders hem haatten, c'est parce que il y avait trois raisons. Was dat omdat hij ook een drie redenen waren. Ce qui doit nous comprendre la première raison. Als je de eerste reden wilt begrijpen. Première raison pourquoi Joseph ben de connaît ben inakié. Eerste reden waarom de broeders van Jozef haatten. Parce qu'il y avait de l'amour de son père. Dat was omdat er veel liefde van zijn vader. Parce que la parole de Dieu nous dit que son père Jacob aimait beaucoup plus Joseph que ses autres frères. Omdat de Bijbel ons vertelt dat Jacob meer van Jozef hield dan van zijn andere broeders. Raison pour laquelle Macamounio se trouve aujourd'hui avec Ogomena Joseph. Dat is reden nummer 1 waarom al die dingen gebeurde Jozef overkwam. Pour la bolingo. Dat was voor het liefde. Ce qui t'a dit et l'homme est mibalé. En als we de tweede reden gaan kijken. Et l'homme est mibalé, pourquoi est-ce que Joseph était haï par ce frère? De tweede reden waarom Jozef werd gehaat door zijn broeders. Bandeko na Joseph baina kie batiela ke motema di kunya kurukatina kobumae juste parce que zalaki na révélation. De broeders van Jozef wouden Jozef zelfs bijna dood alleen omdat hij een belofte van God had. Parce que zalaki na révélation kote bana tsabe oya bandaki ko limbo la bandoto ba songe. Want had een belofte dat iets van God gekregen zodat hij alles droom had. Songe à l'Igosso. Het eerste was. Adopera qui va décoller, qui va gerber la fleur, les allées, qui va gerber la décoller, et voilà qu'on se prosterner devant lui. Hij vertelde zijn broeders dat in zijn eerste droom dat de andere dingen wat de broeders aan het doen waren, zouden van knielen. Van décoller bij Inaki. En zijn broeders gingen wel haten. Pourtant, c'était vrai. Want althans was het waren de broeders. Deuxième. Songe, het tweede is. Hij uitgelegd over de sterren. Tawarubi, que les 11 étoiles, et qu'on se prosterne devant lui. Hij zei dat er 11 sterren voor hem zouden gaan knielen. Directement, bij de koning, bij qu'on comprendre, na papa, na qu'on comprendre. En gelijk begrepen zijn broeders en zijn vader zelf. Au Bible, zo lo manabiso, que. Et il raconta à son père et à ses frères et il les réprimanda. Qu'est-ce que ce songe? Faudrait-il que nous venions nous prosterner? Moi, ton père, ta mère et tes frères se prosterner vers toi. De Bijbel zegt dat de vader zich afvroeg: waarom zouden ik, mijn broeder, jouw broeders en jouw moeder voor jou zouden moeten knielen? Tout cela parce qu'il avait l'interprétation des songes, il savait comment interpréter et il savait comment parler. Dat dit was alleen omdat hij wist hoe hij moest vertalen en wist hoe hij moest rekenen en praten. Je Joseph azanaki na problemen na ba oti na ete. Joseph had geen problemen met zijn ouders. Azanaki na problemen na ba kurutu na ete. Had ook geen problemen met zijn ouders. Kasilikunye eki kogota. Maar het probleem kwam. Ba eki komonete azana elemo en tamde. Ze zagen dat hij iets van God had. Alléluia. Amen. Pour le banane, Elembo. Elembo. Na kati na bino pe, e koki ko sale ma pe bongo. So ki ko sale na Elembo ya Nzambe. Ashi pe trele fa khota. Peut-être même en ta bande ko na bino ya kati ali kota moko. Peski ki sa aussi le boule de chouille de zester. So bande ko na bino ya musala. Of boule de chouver. To bande ko na bino ya Bisika nyoso bosangana ka to ya quartier to ya balabala o fondo pulis wa ile home me omgang ba ko ki kozana na motema ni kunya visa fina yo ikke no dan haat haat voelen sa ke yo o sala de logo mo ya mabe visa fina sonda da cha es la ki tsuna ko da pourquoi est ce que bango ba ko ki kozana animé na makanisiwana u ko de hem dan zulke gedachten zetten parce que la lumière et le ténèbre et sangana ka te alléluia et pas au va ta tête. En het duister niet samengaan. Parce que ce qui nous a donné le moyen de Zambé. Want wanneer jij iets van God hebt. Et que vous sous soyez donné le moyen de Zambé. En de ander heeft niks van God. Ce qui a donné le moyen de Zambé. Tant vous sous soyez donné le moyen de Owana Munguna. Of misschien heeft hij dan iets van de duivel of van de vijand. Ce qui a donné le moyen de Munguna. Of als hij de gedachte is of de. A conserver la tête à mon élément, na yo ke mona na la vie sur la bateau. Amen. So I need guys are there at for for you. Parce que la lumière et les ténèbres et ça n'a rien à dire. Quand la teister et le licht gaan niet samen. C'est pour cela que la parole de Dieu. Daarom staat in de Bijbel.
Et ça, pour le bas, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Staat dat je de verschil zult zien tussen degene die God aan binnen en degene die dat niet doet. Parce que et pour qui vous arrêtez, pour qui vous allez mater que mon kili mon bimba, tout le monde entier, Baba Nagaka Kolinga yo, à tous à malam, à tous à mabe, il y aura toujours la différence. Et ça n'a pas oyo ma kolinga yo, n'a pas oyo ma kolinga yo. Amen. Als je hoe aardig je bent, er zal altijd iemand zijn die jou zal haten. En dat is bij Jozef gebeurd. En dat was alleen omdat hij iets van God had. Zo die de looie. Yo nangai. Als jij en ik vandaag. Toen zijn er elementen aanwezig na katten naar boven in de miso. We hebben iets van God in ons leven. En het is ook zichtbaar in andere mensen's ogen. Is het ook aan die zin te lingaman aan wat doen? Zou je dan denken dat we geliefd zullen zijn bij iedereen? Ik hoop ook zijn mij de tango mususu, toch ik ook daar aan die kakata lokola in de konamiso. Het kan ons zelfs overkomen dat hetzelfde is als Jozef bij ons gebeurt. Jozef, bande konae, maar ze deciden die toch wel kan je goed naar katia citer. Jozef en zijn broeders hadden zelfs, waren zelfs op hem tegengekomen om hem in de waterput te gooien. En na kati na bango, mususu alobi olieto tika ya kufawana, semieto teka ya tako teka. En onder de broeders was er iemand die zei, in plaats van dat we hier dood laten gaan, kunnen we net zo goed verlopen. Tango bayaki koteka ye, amen hè. En wanneer hij werd verkocht. Tango bayaki koteka ye, ayaki kokene, epaia, potifar. Toen hij werd verkocht kwam hij bij de farao Potifar. Hij had ook geen degote kama en bij haar gardechef van security aan farao, die s'appelde Potifar. Hij werd verkocht aan de bewaker van de farao Potifar. Toen je die li solo, toen zit er een moment, pastel, la sala, tegen hem die zo li solo ja, Joseph en bij Potifar. Ieder van ons kent het verhaal van Joseph en Potifar. Le loto colombela mingi, zit het dossier Potifar. Vandaag zullen we het niet hebben over Potifar. Parce que ce qui te zo mon na elembo oyo, Joseph was a lakin ango, elembo etabe. Als je ziet wat God en wat Jozef had van God. En sika bateka ke pa Potifar. Waar Jozef werd verkocht. Loko na zalakin elembo etabe. En omdat hij iets van God had. Mika katano yaki, kouta na nzela ya mwasi ya Potifar. Toen werd hij gehaald door de vrouw van Potifar. Moi, Potifar, alingati ba di manen ki makalo. De vrouw van Potifar waar met Jozef uitgaan. Tango sose kokiko za la peka, kokiko sa le maantre de lo en lo langaye. Zoiets kan ons ook overkomen. Moi, si andeko na yo, to mobali andeko na yo, akokiko luke la yo ngango. De vrouw van jouw broeder kan jou iets aandoen. E kokipe ko ye la yo pe problem. En dat kan voor jou ook problemen veroorzaken. Togo kota tango kangama, toko na denke Joseph akota ki na boloko. En ik kan zelfs overkomen dat jij vast gaat zitten, net als Joseph. Maar lokola Joseph azala ki ne lembwanzambe, meme na katia boloko, elembwanzambe bandaki komona na. En omdat Joseph het geloof van God had, zelfs in de gevangenis werd dat zichtbaar. Pour même attendre l'autre qui faut ça, il y a un peu de temps, il y a. Want zelfs toen je de koning het droom had, kwam hij naar Jozef toe. Raison pour laquelle, na zoeken en historie aan Joseph, wat ik ook na het gekomen, toen was hij de premier minister. En aan het eind van de verhaal zul je zien, van het verhaal zul je zien dat Jozef zoiets werkt als eerste minister. Hij had die naam de konij, hij had die sikoyo. Ndoto, oya die molen had die van de konij, hij had die toile, hij had die kokokisama. En daar zal je zien dat de droom die Jozef vertelde aan zijn broeders echt uitkwam. Die woont aan hem, maar ik ook tango. Zare kotaki na moka na bango. Toen de honger kwam in de land, maar ik ook god na tina katia na Egypte. Kwamen ze zelfs tot in Egypte. Maar ik ook luka bilei. Toen kwamen ze voor eten. Na tango, maar ik ook bego zo bilei. Oe wakutaki asalaki en tangana ni Jozef. Toen ze voor eten kwamen, zagen ze dat de eigenaar daarvan Jozef zelf was. En die bood alleen naar papa, alleen naar mama, alleen naar bandekonee, maar ik moest daar niet mee, kon je ook zijn posten in de vijf. En de broeders en de vader en de moeder gingen buigen voor Jozef. Die solo en die kolobina, die solo niet. Dit verhaal vertelt ons. Même si, mi kakatano,
Amen. Joseph. The brothers and the sisters from Joseph from Berda have to onderdrukken. Nathan Baleko Kumona Azoya Tabu Mugoti Nabangwati Balobi. Regarde les révélateurs des songes. Toen ze hem zagen, zeiden ze ja, daar is de dromer. Na ma version sous ses alliés, le faiseur des songes. En in andere stukken zou je zien dat hij zelf, dat ze wordt gezegd dat hij zelf dromen maakt. En de moyenzambe o is aan de kant in de papa moussous se komen op de sige en die tjoe. Het liefde wat van God in jou zit, is misschien voor andere mensen iets waarover ze kunnen praten. Lokole lembo ya Nzambe ezalaki na kati na Joseph, le papa kulutu na makomaki koloba, le faiseur des songes, komaki lokola sujet moko ya dicho. Alors dat Joseph dat in zich had, was dat voor andere mensen iets waarvan ze gebruik konden maken. Kasi, lokola Nzambe ezalaki Nzambe ya kelaki mikolo na se. Omdat God is die de aarde en de hemel creëert. Nyonso oyo bango. Alles wat hij probeerde te doen, dat kwam niet uit. Paske ele mwana tambe, ezalaki na kati ya Joseph. Dat was omdat de liefde van God in Joseph was. Il fallait tôt ou tard, hij moest vroeg of laat, ekokisama. Moest er toch uitkomen. Amen. Amen. Ce qui te tangi na passage ya Jean 17, verset 3. Als je leest in de hoofdstuk van Jean 17, verset 3. Hoofdstuk 3. Je dis au nom de Jésus. Or, la vie éternelle, c'est celui qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'y a envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce qui est autant dit, passage à Genèse et à Jean 17, verset 3. Als je leest in de hoofdstuk van Jean 17, hoofdstuk 3. Tout le monde a été basé concernant le sujet Jésus-Christ qui avait la vie éternelle. Zij zien dat ze het hebben over dat Jezus Christus onsterfelijk was. Si Jésus avait la vie éternelle. Als Jezus echt onsterfelijk was. Et bongo biso oyo tozali ba chrétien, ba dérivé à Christ. Wij als christenen. Biso tozali bana na Nzambe. Wij zijn kinderen van God. Soki tozengi ete tozwa bokonzi ya seko. Als we in de hemel willen zien, of de beloofde land willen zien. Est-ce que Nzambe na biso akomi na biso? Non. Zal onze God het dan af? Alleluia, akomi na biso? Zal het dan bijgeven? Non. Na yango, moko na kati na biso. Ieder van ons. Esengeli aye ba ete. Soki atatan mususu leloyo nanwe mwoni sapite, me en tant que mwana na Nzambe, en tant que oyo alanga kamate ya na Nzambe, en tant que oyo ayoka kaliloba na Nzambe, akoki kozwa pe par na ye na kati ya elembo ya Nzambe na kati na bokoki na ye. Ieder van ons moet weten dat maatsheid hoe lang het duurt, de belofte altijd uitkomt. En soki ozwi pa tozwi elembo ya Nzambe na kati na bokoki na yo, en als jij deel van God hebt in jouw leven, ta vie ne sera pas seulement en rose. Moet je weten dat je leven niet alleen maar over rozen zullen gaan. Il y aura des moments de hausse et de baisse. Er zullen tegenslagen zijn. Nika katano beko kiko soyema. Er kan zelfs gehaald worden. Ce qui est dit dans la Bible, nous verrons que la plupart van de koe bele oyo bazalaki na elembo ya Nzambe kati na bomoi na bango. Als je leest in de Bijbel, dan zie je zien dat de meeste van hen zijn persecuté. Ze waren onder invloed. Avant été, die lembo na Nzambe ekokisama na kati na bomoi na bango. Voordat de plannen van God in hun leven kwamen. Pourquoi à partir ya bolingo oyo akokoki kozala na ngo peut-être na libota na yo to na mokonzi na mosala to na chef na yo to na pasteur na yo to na mokonzi moko aza koakadre yo cela peut susciter eloko ya mabe epa ya baninga pendant que toi tu as quelque chose de Dieu. Bijvoorbeeld als je liefde voor iemand hebt die heel dichtbij is, kan dat zorgen voor problemen voor andere mensen om je heen. Tokobomona tani soro ya ndeko na biso David.
We kunnen het ook hebben over onze broeder David. David is eigenlijk naar mijn broer toe naar David had ook zijn broeders. Kassit. En de Mwantambe is eigenlijk een paar naar je moeder, is eigenlijk een lady. En hij had veel broeders en daarvan was ook iets van God in hem. Maar mijn broer had ook een Goliath. Zelfs toen hij tegen Goliath ging vechten. Mijn broer en David waren ook een idee. Konden zijn broeders hem ook niet aan. Mais il y a David, il y a un peu de temps, 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 zij zien dat wanneer Leo kwam om alles af te pakken van. Aber Leo was dan nog bij Leo. Begon hij de taken te breken van die. Parce qu'il avait en lui. Omdat hij in zich had. Azalaki na elemwa otambe. Had iets van God in zich. Azalaki na nguya na force na nyosu to. Had de moed, had de kracht, alles had hij. Yango takwa kutanaki na engambe Goliath. Daarom wanneer hij met zijn vijand Goliath ging vechten. Toen hij tegen Goliath ging vechten, zei hij niet dat hij mij. Hij utilisa die langage profetieke. Hij praatte ook via de Bijbel. Alobi, oza, ose defier contre Nzambe na bomoi. Zij, je maakt problemen met God. En pourtant, zo kito landi malamu, pasteur Asante ya biso histoire David awa, nul par Goliath a finga kitambe. En als je goed begrijpt, dan zou je zien dat Goliath niet echt. Maar die feit dat Goliath daarmee kon se defier naar oye zali onction en le moyen tamme, je David alomeke ke koza ko defier le tamme na biso. En omdat Goliath vocht tegen wat van God was, zei David dat hij problemen maakte met God. Peet, toen je niet zoeken naar Goliath in dingen zag. En weet je hoe het allemaal is geëindigd? Is geen naam ja zijn amakasi ko le kantamme na biso. David a la visa qui était mon côté na kati na mokili na mabele oyo tozali azali na makasi ko le kantamme na biso. David dit dat iemand in deze hele wereld meer kracht heeft. C'est la même chose. Mon côté azali na makasi na kati na mokili oyo ase kolongola elembo ya nzambe oyo azali na kati ya bana na nzambe. Daarom is er niemand op deze wereld die opstaat. Als we weer lezen naar het hoofdstuk van Jozef. Bijna niet was alleen maar Jozef van mijn rondte naar papa. Wie zijn hier Jozef in zijn familie? Tokolo wa biso niso to zaliba Joseph. Amen. Moko na moko wa kipo luba teke nga libota na nanyo sotu ba inga kangai. Amen. Moko te amo kipo luba kena musana na nga pantunyo so ba inga kangai. Amen. Moko te amo kipo luba tana kartie na nga pantunyo sotu ba inga kangai. Amen. Moko te amo kipo luba kena tana likomba na nga pantunyo so ba inga kangai. Amen. Sela te e soki to zaliba. Le Mwantambe, toki ko zala ba Joseph to ba Josephine ya mabota na biso. Amen. Nango na sije oya lelo faute de temps na lingaki to parle moi mokuse. Soki Nzambe a permettre biso parce qu'on ne tout lat. Prochainement toko développer yango. C'est la volgende keer verder af gaan maken. Parce que l'histoire de Joseph, want het verhaal van Jozef. Toen we konden dan wat partir à Genèse 37. Kunnen we lezen vanuit Genesis 37. 38. 38. 39. 37. 40. 40. 42, 43. Même qui na 43. 42 tot zelfs 43. Protocol maar 10 places où il y a Nabé Potifar, dit et pas à Pharaon, et ça dit dans chapitre 43. Om te komen tot het huis van Potifar. Donc, zo'n mythologie, tot détaillé, en tot début jusqu'à la fin.
En als we daar een samenvatting willen maken van begin tot einde. Dan moeten ze toch ook niet kunnen houden. Amen. En dan kunnen we misschien hier gaan staan. Mais en tant que man en Nazaré, c'est que les choses soient beaux, les alliés essentiels. Maar wij als kinderen van God moeten we nemen wat belangrijk voor ons is. Et l'on connaît les alliés essentiels, ouwe. Wat is hier belangrijkheid? Tomoni, les soleils de Colomiso Joseph. We zien het verhaal van onze broeder Jozef. Quoique hij namaki na ben de konaïe. Hij werd gehaald door zijn eigen broeders. Pedekutuba bomae akufa. Ze waren hem zelfs doden. Tiba keiba tekie. Totdat ze hem zelfs hebben verkocht. En sika bateka keiba potipara. Kutari susuna mikakatano. En waar ze hem hadden verkocht kwam, werd hij ook weer gehaald. Akotiti na boroko. Hij ging zelfs de gevangenis in. Tina kati na boroko. Ayaki kobima bokonti. En toen hij gevangenis uitkwam, werd hij gelijk in koning. Kon azaraki na elembo yantambe. Omdat hij iets van God in hem had. Nambo kisobana nantambe. Daarom voor onze kinderen van God. Lokola. Tomie biete tokuki kozala na elembo yantambe. Toto sana elembo yantambe. Omdat we weten als we dat een deel van God hebben. Nous devons aller de l'avant. Moeten we naar voren gaan. Nous devons persévérer. Moeten altijd voorop blijven kijken. Moeten niet naar achteren gaan. Peut-être parce que dans l'Ima est trouvé et toi dans ta maison, il n'a qu'à te la boue. Misschien proberen ze dan de ster in jou te doden. Mais, yo persévérer. Maar jij moet altijd naar voren blijven gaan. Parce que na perseverance, toko zwa, elok a motu yo ezo ze la mission de boso. Want tijdens het geloven zullen we zien wat ons belooft. Amen. C'est pour cela. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que bana na nzambe, soki mikakatano eye, toki ka nzambe te, toka ngama na nzambe. Parce que sa parole nous dit, soki tozo tanga na mukanda, ya Exode 14, verset 13. Als je deze in de hoofdstuk van Exode, dans Exode 14, Exode 14, verset 13, alinea 13, la parole de Dieu nous dit ceci. Dan wordt er gezegd: ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder aujourd'hui. Et vous ne verrez jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez quoi? Silence. Ce qui n'a pas suivi nos versets où en conclusion était de garder silence. Et il dit qu'on va être. Ce qui n'est pas dans les années. En tant que bana na nzambe, secours na biso, to recours na biso, ezali epai ya nzambe. Ce n'est pas epai ya bato ya mokili. Bato ya mokili akoki kopesa yo lelo lobi akotyola yo. Mais kasi nzambe soki apesi yo akotonga yo epai ya mutu te, akotyola yo epai ya mutu te, akobetela mpe mutu lisolo te. Want God als hij jou helpt, dan gaat hij niet aan andere mensen doorvertellen, maar houdt het bij zichzelf. Amen. Yango, en tant que bana na nzambe, soki mikakatano eye. Daarom voor ons als kinderen van God, als er tegenstaan. Pour ne nzambe na biso. Dan bidden tot God. Lui qui sait voir même dans les secrets. Hij kan zelfs zien wat er voor ons is. Oya, ebiposa ebitema na biso. Hij weet wat ons hart wilt. Abolongisa biso. Hij zal ons kan overwinnen. Ce n'est pas la biso moko tosa la vengeance. Parce que la parole de Dieu nous dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Want de Bijbel zegt dat aan ons, aan mij de wraak is. Exacte que biso moko tomisa le la vengeance. C'est juste alors dont on se moute vriken. Soki totangi les sous kaka même verset oyo, ya Exode 14 verset 13 et l'audit, ne craignez rien. Yeah. C'est juste alors que je lis, dans l'acte d'après. Soki ko se confiez pas à Nzambe ko banga les sous nani. Als je God vertrouwt dan moet je ook je. Soko za na elembo ya Nzambe ko banga les sous nani. Als je iets van God in je hebt, hoef je geen angst meer. Mais garde silence. Maar je moet rustig zijn. Délivrance au Nzambe à Moussala Yango. God zal jezelf zegenen. Et yo garde silence Nzambe à combattre pour na yo. Et jij moet niks doen en God zal voor jou vechten. Ne Nzambe na Zalaki Nango. Pour na kole sa bebe de Dieu na Boko na Yelo. Dat is een klein beetje wat ik voor jullie had. Amen. Tomé de Dieu sous Christ ma Boko. Nango sous Christi, Maroga, c'est pas un pasteur jaune. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous remettez la Yesu encore une fois, mon beau, ma carte. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. 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 Chaque personne a quelque chose. Amen. Si Dieu avait à Tongola de Moïse, c'est parce que Moïse a Zalaki et l'eau. Et l'eau pour Moïse a Zalaki Nango, et Zalaki a mon égité, mais Yamukiwana et Zalaki et Dieu. Le bon qu'on a ensemble qu'on va se manifester dans le moyen de David. Amen. Amen. Zambé a pas pour la Moussalinaïe pendant Oya Lobédiviso. C'est qu'on a beaucoup conclu les Akakino. Il y a quelque chose parce qu'à l'Obinabiso, comparaison entre Jésus et Joseph. Il faut savoir que non, ce qui est dans la Bible, au moment où la Bible dit, na kati ya mokanda na Jean. Bible lobi na biso na Jean 3, 4, 16 et lobi. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrant. Et il fit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme un colombe venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis quoi toute mon affection. Alléluia. Jésus a témoigné de ce que Dieu a témoigné de ce que Jésus a salaki. Amen. Mais ce qu'on continue comme à l'objet que nous n'avons pas de passage et ça m'a l'aï. Ce qu'on dit passage joué. Au Kenny, il est sous musique à la Kachi et à mon canal à Genèse. Lorsque David a porté qui n'a pas Potiphar, après qu'on demande à la prison pour la rencontre de Pharaon, David a dit, et que l'on doit pas connaître à Pharaon, à y être si d'autres et Pharaon à Salakinango, et l'autre pour moi, qui est caché par Pharaon, et l'autre qui est caché. Bible est l'objet d'un puissant que Pharaon l'obé Joseph entre toi et moi. Entre Yon et Nani, et Zakaï et l'homme ont été séparés. Et l'homme et les ont séparés. Et Zakaï trône le Nanasa. Nanasa roi, mais d'ici que Yon Joseph osa. Amen. Amen. C'est-à-dire que nous, Pharaon a reconnaître que nous, David, Azali, Nazambe Kachinaï. Amen. Amen. La Bible dit, voici mon fils bien-aimé. Pharaon a lobby, là où toi tu es, moi je ne peux pas venir. Ce que nous avons dit, c'est que nous avons voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et lui, je ne peux même pas s'approcher, même pour la colombe de la Sabatia. C'est-à-dire, en Joseph, il y a Jésus. Amen. Si Jésus, Baboma dit, c'est parce qu'il avait quelque chose, où il ne tient pas sa main. Amen. Et si la fille, si Joseph regardait comment tu sais pas ce qu'il avait quelque chose, oh Isaac qui est où tu vas y aller? Joseph. Donc voilà toujours mon tour, ma bonne charme, au bout de ce mouton, ça vient de côté. Amen. Alors voilà toujours ce que vous tombez, il y a ce pas ce que ça vient de côté. Amen. Ce que ça vient de côté, c'est déjà au bout de ça, pourquoi? Bible l'obé, t'es mis tout la vie à côté cher dans le monde des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. C'est que pour écouter cher, même dans mon kibioï,
Een grote crimineel die de machine naar kapen bon go. Dat is de zuur van de grote crimineel. Je ziet wat ze moeien. Amen. Il faut le savoir. Amen. Ce n'est pas parce que vous êtes trop belle, mais c'est à cause de ce que vous êtes. C'est pour cela que toutes les personnes qui s'approchent de toi, vous êtes à cause de ce que vous êtes en côté. Vous voyez, vous avez des soucis ensemble et ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est clair et net. Joseph était compassé par ses propres frères. Pourquoi? Parce qu'il a savoir qu'il n'est pas tombé. Joseph a été tellement colombé à papa n'a y été et non bien au Gumba Minata. Mais c'est papa qui est beaucoup plus prophétisé, c'est-à-dire que Nalina maman n'a yo et faut tout foutre à mes n'ayo. Par des gens qui disent ça, il va te heurt pour. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que nous avons dit que Joseph,
parce que même à Tienye, mais il y a des gens qui ont été mis en Amen.
amen, amen, amen. Vous savez, on met sa offrande de la mission maintenant. Donc, on met presque la souka. Il y a qui est de la mission. Donc, c'est offrande de la compagnie.